Quel carnage ! Marco, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Les voilà. Je suis là, tenez-moi ! Ça va ? Mieux. Merci. Je ne commenterai pas une affaire qui est... Spider-Man ! Le capitaine a besoin d'aide ! Je peux vous confirmer, c'est que Marco est détenu en garde à vue et que nous ferons tout notre... Spider-Man, vous avez une minute ? Le commissariat d'à côté nous a appelés, mais ça a coupé. Faut qu'on passe pour faire le triage. Je m'en occupe. Ça a marché. Monsieur Parker, j'ai besoin de votre aide pour remettre l'appli en ligne. Je fais quoi ? Allez sur le toit du bâtiment, sur Worth et Lafayette. On fait quoi ? Ça va prendre des heures avant qu'ils rétablissent le réseau de télécommunications, donc... On va créer le nôtre. C'est un très gros coup ! Depuis quand tu planifies tout ça ? Eh bien, j'en rêve depuis le collège. Mais la planification, 2 minutes, je dirais. Il doit y avoir un lanceur pas loin. C'est quoi tous ces trucs ? C'est l'étude environnementale d'une jeune start-up. Le lanceur, c'est pour leur sonde météo haute altitude. Et la start-up, elle a donné son autorisation ? Oui, j'ai vu ça avec le Big Boss. Un type charmant, il était content de pouvoir aider Spider-Man. Ok, dis-moi ce que je dois faire. Vous avez toujours une imprimante 3D dans vos lance-toiles. Il faudrait que vous fabriquiez un truc. Je vous ai envoyé le plan. Bien reçu. Ça ressemble à un drone. On espionne pas les gens, Ganky. Oh non, il faut leur consentement. Quand les New-Yorkais envoient un message sur l'appli, ça les redirige sur ces drones. J'appelle ça des antennes mobiles d'information. Ce qui donne AMI. Je viens de me faire un ami. Ouais. J'étais déjà cool au collège. Ok, et maintenant? Comment on fait voler ce truc? Il y a un tas de signaux antagonistes. Il faut suivre le chemin que j'ai marqué sur la lentille. On aura un meilleur signal. Le réseau local devrait marcher. J'envoie une notif générale. Les signalements vont arriver d'une minute à l'autre. On a réussi! Il est temps de s'y remettre.
Voilà, un signalement de crime vient d'arriver. Recule encore! Vas-y! Encore! On a largement le temps. Comme les flics sont occupés avec tout ce sable, on va dévaliser cet endroit. Allez, on charge! C'est lui! Fracasse-le! Un vol d'armes? Je vais pas laisser faire ça! Faut qu'on suive le plan! C'était l'idée de qui d'installer ce club de tir en ville, sérieux? Je vais lancer une pétition pour faire remplacer tous les clubs de tir par quelque chose de mieux. Genre un club de compliments. Les compliments, ça fait de mal à personne, et c'est gratuit. Par exemple, t'encaisses les coups de poing comme Jackson. Bravo! Hey! Je crois bien que je tiens un truc! Moins d'armes, plus de compliments! Ils étaient nombreux! Ils ont profité que la ville soit recouverte de sable. J'aimerais bien savoir quelle mouche a piqué Marco. D'autres arrivent. On va les réceptionner, à la Spider-Man. Super pouvoir. Les gars, mon appli est toujours HS. Ah, je sais, j'essaie d'innover. Laissez-moi une minute, je vous rappelle. Eh ben, tu crois qu'il m'en veut? Le stress et la colère se ressemblent parfois. Concentre-toi sur les gens qui ont besoin de toi. Là, c'est toi qui as l'air énervé. Je suis pas énervé, Miles. Je suis concentré. Ouais, ma mère dit ça aussi quand elle est énervée. Hey. On se connaît depuis longtemps. Franchement, tu m'as déjà vu m'énerver? Laisse-moi réfléchir. C'était une question rhétorique. Je sais. La fois où on jouait à un jeu de société chez toi et que t'arrêtais pas de perdre. J'étais pas énervé contre toi, mais contre tout l'univers. Bon, la nouvelle appli compile. Tant qu'à faire, je me suis dit autant lui donner un coup de neuf. Pas besoin de faire compliqué, hein. C'est juste pour voir les demandes des citoyens. Carrément. Pendant que le patch s'installe, faut élargir le réseau. Appelons d'abord Miles. Par ici. Elle avait du mal à respirer. Miles, t'es dispo? Qu'est-ce qu'il y a? Va sur le toit du bâtiment à côté. Hey, t'avais l'air stressé tout à l'heure. Est-ce que tout va bien? Ouais, c'est juste que j'ai plein de trucs à faire. J'ai faim et en plus, il n'y a plus que des crackers sans sel dans le distributeur. Ah ouais, ça craint. Je m'en remettrai. Hey, je suis enfin sur la mise à jour de l'appli dont je t'ai parlé. Grâce à un coup de main de mes amis. Ouais, c'est un jeu de mots. Enfin, tu peux pas encore comprendre, hein, mais ça va pas tarder.
Ok, j'y suis. Il doit y avoir un lanceur dans les parages. Je vois rien qui ressemble à un lanceur. Peut-être... Ok, je vois le lanceur. Je fais quoi? Tu vas imprimer un ami. Ça y est, j'ai compris. AMI, ami. Laisse-moi deviner. Appareil mobile d'interconnexion? Presque. En fait, peu importe. Mais sache que les signaux sont traités par corrélation spatiale et temporelle. Des calculs à distance. T'es un génie, Genki. Oh, arrête. J'ai marqué un itinéraire pour optimiser la stabilité du réseau. Si tu le suis, on aura un meilleur signal. Ok, le réseau local est connecté. Nouveau crime signalé. Je le vois. J'y vais. Ils ont dit que Spider-Man était au club de tir. Faut se manier avant qu'il arrive. Coucou. Besoin d'aide? Vous avez perdu vos clés? Il y a un serrurier un peu plus haut. Vous êtes combien pour un seul fourgon blindé? C'est un peu exagéré, non? Au lieu de voler, vous pourriez peut-être, je sais pas moi, m'aider à sauver des gens! Mijo, ça va? Oui, maman. Et toi? Si. Je suis dans le centre, j'aide Gloria au Fist. Oh, est-ce que tu as vu Monsieur Sumida? Non. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est pas Spider-Man qui va te faire rentrer à la fac? Je vais m'en occuper, maman. Promis. Faut que j'y aille. Il est costaud. Je devrais être en cours de physique, en train d'apprendre des équations abstraites pour des situations théoriques. Ouais, je crois que je préfère la physique appliquée. Tirez sur l'araignée! Mauvaise idée! Ok, l'appli est enfin à jour. Jette un œil. Ouh, pas mal. Il y a une nouvelle requête. Genki, beau boulot sur l'appli. Ça va aider plein de gens, ça. Merci. Miles, occupe-toi de ces requêtes et retourne au lycée. Les Spider-Man sont parvenus à... Spider-Man! Au secours! Il y a un genre de cristal qui a traversé le mur et percé une conduite de gaz! Un cristal? Je vais aller voir.
quoi ce délire? Alors, est-ce que ça t'a plu? T'es toujours là, Marco? Miles, c'est MJ. Je viens aux nouvelles. Je crois que je me bats encore contre l'homme sable. Il s'est déjà échappé? Non, je suis au raft. Il est juste devant moi. Mais il y a quelque chose qui me dérange. Tiens bon, je vais aller parler à ses médecins. Ok, là vous m'avez saoulé. Ok, j'ai parlé à ses médecins. Il y a un genre de cristal de sable près de toi? Oui! Ok. Ces médecins m'ont dit que l'esprit de Marco était brisé. Il a littéralement éclaté en morceaux. Flippant! Et pourquoi ces mecs de sable en ont après moi? C'est sûrement des morceaux de son inconscient qui cherche à protéger ce qu'il y a dans le cristal. Écoute ça, c'est important. Si tu retrouves tous les morceaux, ils disent que ça pourrait peut-être réparer son esprit. Eh ben, ça a pas l'air simple, la vie d'un homme sable! Ok, Marco. Qu'est-ce que ton inconscient voulait protéger? J'étais avec toi. Et l'instant d'après, t'étais plus là. Un cristal qui parle. Ok. On dirait qu'il renferme un souvenir de Marco. MJ a dit qu'il y avait d'autres cristaux éparpillés à travers la ville. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil. Hey, tu veux t'occuper de la dernière requête? L'histoire de VIP coincé dans une limousine. Je gère. Ganki, Monsieur Sumida est toujours là? Oui, il est avec Ellie en ce moment. Elle essaie de le retenir. Cool. J'aimerais qu'il m'aide à rédiger mon essai universitaire. Tu l'as pas encore fini? Tu sais, vu que j'ai déjà été accepté à l'ESU, je pourrais t'aider. Non, t'en fais déjà trop pour moi. En plus, si tu m'aides à entrer à la fac, tu vas pas arrêter de la ramener avec ça. Ouais, c'est vrai.